mon monde. J'adore les petites bestioles, la mer. C'est un truc qui date depuis très longtemps. Moi, je suis né en Belgique, en pleine terre, comme à Madrid, en plein centre. Et pendant toutes les vacances d'été, j'allais voir mon grand-père. Et il m'a amené à la pêche, tous les étés. C'est un monde merveilleux que j'ai toujours gardé en moi. Aujourd'hui, j'habite à la mer, parce que j'en ai besoin. Et elle est là tous les jours. J'ai besoin de la voir. Et c'est très important. De technique, tout simplement, carton. J'adore le carton. Carton gris, acrylique, avec beaucoup d'eau. De l'eau comme la mer. Beaucoup d'eau. Et carboncille. C'est comme les photographes qui cherchent la lumière dans une photo qui est noir et blanc, tout simplement. J'écris avec des images, tandis que les journalistes écrivent avec des mots. Et c'est pour ça qu'on est complémentaires, même si on a du mal à se comprendre des fois. J'habite dans un petit village qui s'appelle La Selva de Mar, à côté de Cadaqués. On a monté un festival d'art contemporain parce que je trouve qu'il y en a besoin. On a fait un appel aux artistes internationaux. On a fait venir du monde de partout. Il y a des iraniennes, des japonaises, il y a des gens du Burkina Faso. On voulait un truc sélectionné, ce qui manque un peu dans notre région. Un truc un peu plus qualitatif.